ce que la pluie ne sait. Devant la nuit demain, les mots tremblants qu'on ne sait plus croire, parce que les absents n'en aiment moins, parce qu'avec le temps va, tout dit-il, tout s'en va. Beaux camarades, nos beaux espoirs, parce que la triste ironie des miroirs, des malins qui parlent haut, des oubliés privés de mots. Ta jeunesse et mon décor sont tes caresses de la vie de mort. C'est moi, fou. C'est moi, mon corps. Petite, ferme tes bras, ferme la porte au diable qui. Diable qui m'emporte, oh diable qui m'emporte. On dit seulement Fredericks, Goldman, Jones. Mais il y a aussi les autres. Sur scène, hors de scène, dans la lumière ou dans l'obscurité. Alors première question, la fidélité. Je ne suis pas un type très fidèle. Je pense qu'il n'y a pas une tournée que j'ai fait avec exactement les mêmes gens. Il y en a toujours qui changent, un ou deux. Soit parce qu'eux s'en vont, soit parce que moi je m'en sépare. Mais là, cette équipe-là, ouais, c'est des gens auxquels je suis vraiment très, très, très attaché.
À cause des arènes, c'est Nîmes. Mais ce pourrait être Bruxelles, Lyon ou partout ailleurs. Des hommes, comme des marins qui hissent la voilure, mettent en place le décor qui ferait oublier la ville. D'autres jouent au ballon, à attendre, à n'importe quoi, à quelque chose qui fera oublier le concert. Quelques heures avant l'heure, et c'est comme ça chaque jour. Bah, au début, c'est très très excitant. Puis arrive une phase où on pense plus qu'à ça, quoi. Ça devient un peu pesant. La nuit, je me réveille, je pense au montage, je pense au démontage, et des... est-ce que j'ai pas oublié quelque chose ? L'univers se réduit complètement à... au travail. Je rêve Goldman, je pense Goldman. C'est dur parfois, c'est dur un peu. Chaque jour aussi, des kilomètres et des kilomètres. Du temps passé. Ça me donne le frisson, je pense, à Arms Park avant le match. Ouais. Ça me donne les poils comme ça. Ouais. Voilà, aussi. Ouais. Non, je savais qu'il lisait particulièrement des poils. Et puis une autre ville. Il faut remonter la Seine. Après quelques heures de sommeil, juste le temps du voyage, le réveil des bâtisseurs. On se lève, messieurs. Vous allez voir, c'est un endroit sympathique, qui fait beau. Ça va être formidable. Ça sert à rien de dormir. Une journée à travailler, c'est aujourd'hui. C'est celle-là, on a choisi celle-là. Encore un matin. Un matin plus loin. 1, 2, 3. Ça pose des problèmes de monter une scène dans un lieu comme ça ? Ouais. Mais en même temps, il n'y avait pas de rock'n'roll dans l'Antiquité. Les chansons.
sont d'ailleurs que le mot d'enfant. Compagnonne du candeur, chaque grave instant. De quelle religion les nord, les mots quelle couleur. Tant si plein de polyglottes, que disent les cœurs. Et le temps qui court, et le temps qui lasse, tasse, casse et fait les amours. Et nos peurs immenses, nos rêves infinis, les fêtes et les danses, danses, danses dans cette vie oubliée. Partout les mêmes, même tu aussi, quand tes bras me serrent, serrent, serrent et que vient la nuit. Attends, c'est l'autre passage où on change tous parce que là on et après et nos peurs immenses, nos rêves infinis, mais fêtez les danses, danses, danses dans ces plus oubliés. Partout les mêmes, même tu aussi, dont tu prends le serre, 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 et que vient la nuit, et le temps qui gâche. La plupart sont venus le temps d'une soirée pour le plaisir des notes partagées. Mais d'autres sont arrivés bien avant et repartiront bien après. La musique ne leur suffit pas. Prochain album, il faudra vraiment attendre 3 ans. Peut-être 4. Les fans. Comme on est au Théâtre Antique de Vaison-la-Romaine, on a la possibilité d'y accéder librement. Donc je suis venue là pour voir les techniciens monter les décors et voilà. Dire ça apporte quoi par rapport au concert normal final? Bah pour voir comment ça se passe, la vie en tournée, voir ce que font les techniciens, voir si les chanteurs, les musiciens sont là, s'ils prennent part au montage, tout ça. Si on échange un sourire avec le chanteur ou les musiciens, on a l'impression d'exister pour eux, d'être quelqu'un d'important, je sais pas. Quand on a tant de choses à faire, de passer des journées entières, de 14 ou 15 heures jusqu'à 23 heures, à attendre ou à voir un concert qu'on a déjà vu 35 fois,
Je comprends pas. Oui, je me dis tout le temps que... que c'est pas bien de le suivre, d'attendre à sa loge, mais... je sais pas. Les chansons disent le contraire. Elles parlent d'indépendance, elles parlent de liberté, elles parlent de... elle parle de dons aux autres, non, elle parle pas de fanatisme, enfin fanatisme de d'attachement comme ça. Mais pour moi, je suis bien d'être ici, je suis bien d'entendre ses chansons, je suis bien de crier après lui. Mais je suis bien, il n'y a que là que je peux crier, que je peux, je crie pas assez. Que je suis peut-être un peu la pièce centrale du concert. Il y a quand même beaucoup de fois où je suis guitariste derrière Carole ou derrière Michael et c'est vraiment un groupe. Comment ça, ils n'avaient pas les comptes au départ. Donc il a ça s'est mis à marcher tout d'un coup. Et quand j'étais de l'autre côté, avant de monter sur scène, il marchait. Et qu'est-ce qui s'est passé sur la bande? C'est moi qui ai complètement merdé. Avec mon casque et tout, il est tombé, j'ai voulu rattraper, je n'avais pas branché. Enfin, j'ai taillé. J'ai une absence. Puis alors là, c'était parti, j'ai entendu. Lui me paraît lent des fois. Évidemment, ça fonctionne. Il y a un passage très très bien, puis à un moment donné, ça a accéléré. Et après, c'est redevenu fantastique à la fin. Tu sais, quand les gens sont extrêmement concentrés, qu'ils sont très très émus. Sur les Russes? Non, un monde nouveau, rien ça. Là, il est tout seul au piano, il nous fait toujours une petite surprise, un petit salon. Ah, il balance, hein. Ils sont complètement à côté de les pompes. De temps en temps, je le ralentis parce qu'il part à peu près sur le tempo de juste après. Ceci dit, c'est pas mal que ça soit fait comme ça. J'ai bien, j'ai bien, j'ai bien. Oui, mais non. Ah, c'est facile. Que faire? La fatigue? La chaleur? Vous avez raté le bac? Le stress? Et qu'est-ce que c'est? Petite idée. Moi, je les sens un peu timides. Ouais. Timide? Ouais. On va bien voir. Fred, éteins la lumière. Avec les timides, faut baisser la lumière. Eh oui. On va essayer. Fred, quand je te fais un signe, tu... J'ai bien, j'ai bien, j'ai bien. Là. Et ça marche. 1, 2, 1, 2, 3, 4.
je t'oublie. Faudrait que je devienne plus sage, que je sois plus raisonnable à mon âge. Qui a joué ça? 76 concerts, 47 villes. C'est formidable quand ça commence. Et puis il y a un moment où t'en as marre, mais comme t'en as marre de tout, t'en as marre de rester chez toi aussi. Donc, mais il y a un moment au bout de cette vie-là, de quelques mois, où t'as envie de te poser, t'as envie de rentrer chez toi. Écoute, c'est le problème de tous les marins, tous les routiers, ils sont très contents de rentrer chez eux, puis ils sont très contents de repartir. Everybody in the audience saying happy birthday to me. Yes, yes. I couldn't believe it. They knew it. I don't know how they knew it. Donc, nous rentrons par l'avion de 11h et qui va arriver à midi à Orly, quoi. Ah, tiens. Bon. Le refuge ici, c'est la cantine. Pour tous et à tout moment. Entre soi, entre amis, entre frères. Les derniers instants d'intimité. Le temps d'un repas, d'une discussion. Le temps d'un verre. Le temps d'un match, retrouver les marques familières. Est-ce qu'il y a un moment qui te plaît le plus dans le concert? À vos actes manqués et frères. Pourquoi? À vos actes manqués pour la rythmique et frères, parce que les lumières sont super belles. Je reçois des lettres chaque semaine. Nos mères s'inquiètent. Quand la victoire m'a soumis,
Souvent, un peu partout, on voit Goldman un journal entre les mains. Parfois même, il lui tombe des mains. Ce matin, on avait un papier. On a joué à Saint-Étienne. Et il y avait un papier vraiment dithyrambique, enfin très bien. Et quand tu lis le papier et que tu t'y connais un peu, tu te rends compte que le mec est parti au bout de la deuxième chanson. Parce qu'il ne parle absolument de rien sur le plan de la mise en scène, que du décor et de mon apparition et de la barrière qui tombe. Il ne parle pas du film du Zahir, il ne parle pas du masque. Et il ne parle pas des Russes. C'est des mecs qui viennent, ils restent pendant 2-3 chansons, puis après ils me mettent des banalités, genre tous les gens connaissent les chansons et tout ça, et puis c'est le rendez-vous du cœur ou des trucs comme ça. Mais tu te rends compte à travers. Bon, parce que c'est impossible de voir ce spectacle sans parler qu'à la fin il y a 30 Russes qui chantent. Visiblement, le mec, il est venu. 10 minutes, un quart d'heure, et puis après il avait autre chose à faire. Bon, c'est un exemple, c'est aujourd'hui, c'est l'exemple d'aujourd'hui, mais la presse est tellement dévaluée, tu vois, par toutes ces choses-là. Il y en a qui font très très bien leur travail, mais on est habitué à pas les lire, quoi. Chez lui, il est toujours en train de lire le journal. Vous êtes prêts ? C'est des hôtels où ils livrent. Ils livrent avec poils. D'ailleurs, à coup d'ailleurs. Et qu'est-ce qu'on fait là? Bah là, tu chantes une chanson.
pas trop compliqué parce que c'est pas facile à jouer ça quand même. Hein. Un truc simple quoi. Ouais, on l'a. Ça m'a pris par surprise quand j'étais qu'un gamin. Je gardais toutes mes mines, je n'attendais rien. Moi, Springfield, Massachusetts, la vie coulait comme de l'eau. Un matin, j'ai pris le bed en ouvrant la radio. Ça fait rock and roll. Moi, ça m'a rendu fun. Moi, j'ai rien compris, sauf que c'était ma vie. Tu comprends rien, mais que ça sonne. Ça faisait 1, 2, 3 bout du mal, 4, 5, 6 amis, 7, 8, 9, 10, 11, 12, I ain't got the blues. 1, 2, 3, come on baby, 4, 5, 6, a kiss, 7, 8, 9, you're on my mind. 10, 11, 12, tell me when. Il paraît qu'il y en aurait qui se tâtent pour des pouvoirs, pour de l'or. Chacun se bat si deux fois les sonnets. On n'est pas pour ceux qui s'ignorent. Mais quand je tombe et trop d'Ajo, je comprends mieux qu'aucun mot. Mais ne me mets dans le même état. Oh yeah! La voix avec un, ce simple rock and roll, rock and roll. Ça me rend du mal. J'ai rien compris, c'est que c'était ma c'est vie. Je comprends rien avec ça. Ouais. Ça fait 1, 2, 3 pour des mains. Pretty mama. 4, 5, 6, I miss you. I miss you. 7, 8, 9, I can't get enough. 10, 11, 12, when I ain't got the blues. 1, 2, 3, come on baby. 4, 5, 6, a kiss. 7, 8, 9, you're on my mind. 10, 11, 12, tell me when. Today, blue skin music. I know God, you come and go. You know, provision. Est-ce que ce spectacle-là, tel qu'il est, tu aurais pu le faire il y a 5 ans, est-ce que tu pourrais le faire dans 3 ans? Il bénéficie évidemment beaucoup des spectacles passés, parce qu'il est sûr que depuis 10 ans qu'on fait des spectacles, le fait d'avoir travaillé avec différentes personnes, tout le boulot que j'ai pu faire avec Bernard, et tout ça, on a progressé. Il y a des choses qu'on ne savait pas faire, depuis il y a des spectacles que j'ai vus, il y a des erreurs qu'on a fait. Donc il est certainement plus abouti, tout simplement parce qu'on est plus vieux, puis qu'on est des meilleurs techniciens du spectacle. Quoi, c'est aussi bête que ça. Mais autant les chansons sont une photographie des 3 années que j'ai pu vivre, autant un spectacle n'est que la mise en scène, peut-être plus habile, de ces chansons-là. Un choisir.
Jean-Jacques n'a pas été le seul metteur en scène. Ça a été une osmose de plusieurs personnes, une cohésion de plusieurs personnes, des gens qui ont fait le décor, des gens qui l'entourent, des proches de lui, de Jean-Jacques, de moi. Tout le monde a collaboré à la mise en scène, à parler. On a tous discuté, on a amené tous des éléments pour créer ce spectacle. Ce reportage avait tellement impressionné Goldman qu'il en a fait une chanson. Alors, brutalement, au milieu du concert, il montre cette infirmière en train de réanimer l'enfant, en espérant que la salle fasse silence. Alors, c'est peut-être inconscient d'avoir pensé ça, mais moi, j'ai eu aucun doute là-dessus. Mais maintenant, a posteriori, je pense, ces gens-là viennent me voir, moi. Ils viennent me voir parce qu'ils sont... Ils sont en phase avec mes émotions. Sinon, ils iraient voir un autre. Il se trouve que moi, j'ai vu ce documentaire et j'ai été bouleversé. Eux, qui sont venus me voir, ne peuvent pas ne pas être bouleversés par ces images-là. Bon, c'est peut-être ridicule de le penser, mais il se trouve que j'avais raison. Quand on me disait, bon, mais non, passe-en 10 secondes, 20 secondes, 30 secondes, j'ai dit non, 2 minutes 45. C'est... Moi, je les ai vus, il faut ce temps-là pour qu'on comprenne. Tel que l'a fait Honorin, pour qu'on comprenne d'où vient ce mot, mais quel a été l'enjeu pour cette femme et pour cet homme d'ailleurs. Et bon, ils sont en phase avec ces émotions-là. Trahison dans je t'aime, il y a du contrat dans ces mots-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je trouve que quand on dit je t'aime, parce que je me suis posé la question pourquoi j'ai jamais écrit une chanson où on dit je t'aime. Et je trouve que je t'aime est un mensonge par essence. Parce que dans ces mots-là, il y a, que tu le veuilles ou pas, une connotation de temps. Tu vois? Tu dis je t'aime, un peu implicitement, ça veut dire je t'aimerai toujours. Tu vois? Et voilà, je me suis posé la question pourquoi je ne me disais jamais. Qu'on soit contre ou qu'on soit pour. En tout cas, c'est pas de l'amour. Pourtant, ça ressemble à Tosca. En tout cas, c'est pas de l'amour. Tu sais, je t'aime est un mot, dès que tu rajoutes quelque chose, ça le diminue. Par exemple, je t'aime beaucoup. Je t'aime beaucoup, c'est rien. Tu comprends? Je t'aime bien, c'est pire. En tout cas, c'est pas d'amour. C'est un peu comme ces musiques qu'on entend. En tout cas, c'est pas d'amour. Mais qu'est-ce que c'est? En tout cas, c'est pas d'amour. Ça vient longtemps. En tout cas, c'est pas d'amour. Pour les femmes, c'est très clair parce qu'elles disent: il m'a dit je t'aime. Tu m'aimes ou tu m'aimes pas? Je t'aime. Ah donc. Donc, ça y est, ça, c'est fait. C'est voilà, signé. C'est fait. Voilà. Ouais. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? En tout cas, c'est pas de l'amour. Bon, mais c'est mal ou c'est bien? En tout cas, c'est pas de l'amour. C'est plus l'amour. C'est plus l'amour. Thank you.
Ouais, voilà, voilà le truc. Tu peux dire je t'aime. Je t'aime là. Alors là. Ouh. Et puis, peut-être un quart d'heure après, elle te dit tu m'aimes, tu regardes, tu dis quoi? Chaque salle est particulière. Alors chaque jour, bien avant le spectacle, il faut retrouver ses marques. Musiciens, techniciens, les sons restent à apprivoiser. Dernier brouillon avant la scène. Allumez la lumière, l'obscurité. Tu sais qui c'est ça? Non. Mais c'est moi! Sur scène, c'est un des rares endroits qui reste où les gens sont vraiment disponibles pendant 2 heures pour écouter que de la musique. Quand on écoute un disque, on peut écouter en faisant la vaisselle ou un machin. C'est pas vraiment. Là, on est en contact direct, on se met à nu aussi, les gens sont là pour ça, donc il faut se donner à fond. Quoi. Mais c'est Noël, c'est nos espoirs pour
Est-ce que tu as un moyen scénique pour lui dire Christophe du calme ou Christophe accélère? Ouais, on a des gestes. Et c'est quoi vos gestes? Bon, des gestes extrêmement simples où je le regarde. En général, tu me regardes pas parce que t'es devant et t'as une main derrière qui fait. Oh bijou, oh. Ça, il essaie de me le faire voir. Si par chance je le regarde à ce moment-là, je le vois. Mais en général, le chanteur, on le surveille toujours d'un œil pour savoir si. Ouais, et de l'autre œil, vous faites quoi. J'aime beaucoup le rock'n'roll. J'aime beaucoup le rock'n'roll et tous les styles qui avec rock'n'roll. C'est art rock, c'est jazz rock, c'est heavy metal rock. Et c'est art rock, c'est style qui jouait Jacques. C'est art rock, oui.
Comme toi. Ces hommes en essaim son grave visage maquillage sans âge et puis ses billets dans nos mains tu peux prendre ses lèvres tu peux goûter sa peau décider de ses gestes et me dicter ses mots, soumettre à tes plaisirs, tant que le compte est bon, arracher des sourires, même changer son nom, maître d'une apparence. Possédant de si peu, le vide d'une absence. Sur scène, des fois, on va surtout au plus simple, parce que c'est pas la peine de mettre des petits bits que les gens n'entendront pas. Donc on va vraiment à l'essentiel. Et je crois que ça, c'est important de bien analyser ça pour pouvoir en studio ne pas perdre cette énergie-là. Ce qui se dégage le plus de la scène, c'est l'énergie. Il faut arriver à la recréer sur deux enceintes et sur un CD, quoi. Et c'est ça qui est, c'est pour ça que c'est vachement important de pouvoir faire de la scène aussi, quoi. Est-ce que la scène est un travail comme un autre? C'est-à-dire, est-ce qu'il arrive qu'on pense à autre chose pendant le concert? Ouais, je crois que c'est peut-être à force de les faire. Il y a des fois où tu es là, puis tout à coup, tu vois une lumière, tu vois quelqu'un dans la lumière, et ça te fait penser à quelqu'un, et tout à coup la chanson est terminée, et tu te rends compte que tu n'y as pas pensé du tout, quoi. Et que il y a même des fois où j'écris des lettres, ça m'est arrivé, tiens, il faut que je réponde à un tel, et je suis en train d'écrire la lettre, et la chanson se déroule, et je ne sais plus du tout où on est. Bon, ça n'arrive pas pendant tout un concert, ça peut arriver pendant une chanson. Sincérité, mot compte triple. Je t'en rends, je t'en rends, je t'en rends.
la nuit ta vie dans mes bras. Pas de humeur, bruit de soir. Conquérante, rêve du sang. Je la suppose, la voilà. Tout n'est plus con, rien ne ment. Le temps demeure, et me pourtant. Tombe les apparences, au long silence. Les annonces solitaire à un souffle de toi. Si près tu m'échappes, je Chill.
C'est vraiment une expérience. C'est vrai, quand tu parles d'une fille qui vient de Springfield, Massachusetts, une petite bled de rien du tout, et là, je suis sur scène avec l'ex que de l'ex-Amérou, c'est staggering. C'est staggering, c'est ce que je veux dire. Son dernier album a donné la couleur du spectacle. Rouge. Mais quel rouge ? Ah, il est vrai qu'il y a différents rouges. Il ne porte pas de nom, il porte des numéros. En fonction des, selon ce qu'on appelle des nuanciers, donc des fabricants, il peut y avoir, il y a une bonne dizaine facilement de rouges différents. Le rouge, donc, c'est la couleur de l'espoir et... C'est une couleur politique. Lequel ? C'est quoi ? Quelle couleur ? C'est la gauche très prononcée. Le malentendu, ça serait de croire que l'album rouge n'est qu'un album à connotation politique rouge. Alors que le rouge, dans cet album en particulier, a une résonance plus large. Et que cette couleur-là a d'autres significations. Mais il n'y a pas de malentendu dans le sens où le rouge a cette signification aussi. Il ne s'agit pas de prosélytisme, mais en tout cas d'un hommage à ces militants et à ces idéalistes. Et j'ai une vraie tendresse pour eux, dans le sens où, essentiellement parce que j'ai été élevé dans ce milieu-là et que ma famille était une famille militante propre. On aura du temps
rire et s'aimer. Plus aucun enfant n'aura travaillé. Il y aura des écoles pour tout le monde, que des premières classes, plus de secondes. C'est la fin de l'histoire. Le rouge après le noir. Un autre dimanche, on ira voir la mer et nos frères de silence. Et la paix sur la terre. Mais si la terre est claire, son nom s'est découvert. Autant pleurer pour l'air, remonter son
Juste avant que la lumière ne revienne, Goldman disparaît, enfui comme les derniers accords. J'ai vraiment pas envie de parler à qui que ce soit. Et dans les backstage, enfin, les arrière-scènes des concerts, il y a toujours beaucoup de gens qui sont là, pour, soit pour te féliciter, soit pour te demander un autographe, mais moi j'ai pas envie de causer à ce moment-là. C'est un peu comme si tu vas au cinéma avec quelqu'un qui n'est pas sur la même longueur d'onde que toi, où tu es absolument bouleversé par un film, et tu sors, tu es encore dans le film, encore dans l'émotion, puis la personne te donne un coup de coude en te disant « Où est-ce qu'on va manger ?» Voilà. Il y a un décalage. Alors j'ai pas envie qu'on me demande où on va manger après. Le malin qui parle haut, des oubliés privés de mots. Ta jeunesse en mon écho, sans tes caresses, la vie m'a serré. Diable qui m'emporte, diable qui m'emporte.